Près de 20 ans après la disparition de Gilbert Bécaud, le clan du chanteur vivait un terrible drame, la mort d'Anne, fille de l'artiste, dans l'incendie de sa maison dans la Vienne. Des flammes dont l'origine reste toujours un mystère. La suite après la publicité, c'était en 2019. Le 8 septembre, au petit matin, les pompiers reçoivent un appel d'habitants du lieu-dit La Bauge à Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne. Ils sont alors témoins de l'incendie terrible d'une maison voisine. Malgré l'arrivée des héros du feu, il est trop tard pour sauver la personne qui se trouve dans l'enceinte de la bâtisse. Des ossements sont retrouvés et les analyses ADN effectuées confirment les doutes. Anne Bécaud, fille de l'artiste Gilbert Bécaud qui aurait fêté ses 96 ans ce mardi 24 octobre 2023, a péri dans l'incendie de cette maison qui lui appartenait. Une enquête a été ouverte par la suite, visant à déterminer les causes de l'incendie fatal. Si la piste criminelle a vite été exclue, permettant à l'organisation des obsèques d'Anne Bécaud, l'origine du départ des flammes reste encore un mystère. Sa petite sœur Émilie, fruit des amours entre Gilbert Bécaud et sa dernière épouse Kitty, s'était exprimée sur le sujet auprès d'Ici Paris à l'époque. A priori, c'était un accident domestique. C'était à 6 km de chez moi. Maman et moi étions sur place. On a attendu très longtemps avec espoir. Quand la réalité arrive, il faut gérer, avait-elle indiqué 3 mois après le drame. Quelque temps avant, toute la famille s'interrogeait. Pourquoi, comment, nous ne savons rien des causes de son décès, crime ou accident. L'enquête est en cours, elle sera longue et la vie doit continuer, avait-elle indiqué dans un post sur les réseaux sociaux. L'hypothèse d'un mégot mal éteint était néanmoins au cœur de l'enquête. Show must go on par amour pour son père, et en dépit du drame et de la tristesse qui la rongeait à l'époque, Émilie Bécaud avait pris la décision de monter sur scène et de continuer à célébrer le talent de son papa malgré la douleur. J'ai pris la décision d'aller au bout de mes engagements car papa aurait fait ainsi. J'ai repris le chemin des studios de répétition pour vous offrir mon spectacle. J'ai besoin de votre soutien, de vos encouragements, de votre amour, avait-elle fait savoir sur Facebook. L'amour du public peut parfois donner des ailes. La suite après la publicité.